Bonjour à tous, c'est Commandant Max et aujourd'hui on se retrouve sur Roller Coaster Tycoon 3 pour la toute première vidéo sur Roller Coaster Tycoon 3. Ça faisait quand même longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo et aujourd'hui, ben voilà, on va passer le pas. Donc là maintenant ça va être le chargement, on se revoit quand on arrive sur le menu. Salut! Ok, voilà, on est donc sur le menu et on va aller dans mon mode bac à sable et j'ai créé un parc. D'abord, c'est pour vous montrer ce parc là. Je vais le terminer en fait. Il s'appelle Fantasyland. C'est un peu un remix en fait de Fantasyland et d'un parc que j'ai créé moi-même. Quand le parc sera fini, ben on en créera un autre qu'on fera, mais vraiment que sur cette chaîne. Enfin, que sur cette chaîne, qu'est-ce que je dis? Enfin, qu'on commencera du début. Voilà, du début. Parce que celui-là, je ne commence pas du début en vidéo. Voilà, donc c'est parti. Voilà, je voulais vous dire, excusez-moi pour le son, j'ai un petit peu baissé. Voilà, je vais me baisser le son. Donc, excusez-moi, la vidéo sera pas du tout très 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 longue. Pour vous montrer vraiment que j'ai fait Fantasyland. J'ai été jusqu'à mettre des panneaux Fantasyland. Ça, c'est censé être Mouse au chocolat, mais en fait, je savais pas vraiment comment faire un truc un peu sympa, toi, pour qu'il tourne sur lui-même. Donc j'ai préféré faire ça. Ça c'est Schreiser Carousel, tout ça. Ah non, ça c'est Willem Fleur, pardon. Ça c'est School Cipil and Slows. Ça c'est Das Verrückte Hotel Tartuffe. Et ça c'est Ferder Carousel. Et ici nous avons Black Mamba. S'il veut bien se mettre. Non. Non plus. Black Mamba. Et ici nous avons Patarone, qu'est-ce que je dis? Talocan, oui. Ici Tikal. Chiapas, hein, bien évidemment, qui je vois est en panne. Ça lag un petit peu, c'est comme en fait je tourne une vidéo, bah, il n'a pas trop mieux. Avec ici nous avons les nouvelles animations qui vont ouvrir le 1er juillet. Franchement, moi j'ai hâte d'y aller pour le 1er juillet, j'y vais souvent, j'adore, c'est pas. Il y a Hike et nous avons Taron, première en Europe avec un double lancé, c'est génial. Ici nous avons donc River Quest. Ici c'est la première attraction que j'ai inventée moi-même, c'est Bobsleigh. Et ici Mountain, que j'ai rajouté aussi. Et ici nous avons Chute à lancer libre, que je fais. Bien évidemment renommé parce qu'il ne s'appelle pas du tout comme ça en vrai. Il s'appelle, pardon, Mystery. Pardon. Castle. Mystery Castle. Je ferai dans une autre vidéo où on ira dans les attractions. Là franchement ça va être très 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 cool. Nous avons Jazz, bien évidemment. Ça c'est aussi une attraction que j'ai rajoutée, franchement magnifique, ça s'appelle Aviateur. Magnifique, j'adore cette attraction. Ici au milieu nous avons des petits bateaux là qui roulent. Ça c'est Wako Bateau. Donc en fait j'ai mis les vrais noms du truc. Ici nous avons Temple of the Night Oak. Oui. Et voilà, je vous ai à peu près tout montré. Je sais que la vidéo n'a pas du tout été longue, hein. Je suis vraiment désolée. Je tiens juste à vous montrer une dernière attraction. Que je viens de mettre, c'est la mine du Hollandais volant. Qui n'est pas en panne, en fait, c'est que dès qu'il y en a un qui part, évidemment, il part tous. Donc, il y avait un truc à régler. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas. J'ai pas mis longtemps, en tout cas, à l'écrire. Et... voilà. Laissez un like ou un dislike, comme vous voulez. Et un commentaire. Salut!